J'interviens avec insistance dans les différentes commissions de développement économique de la région pour que la région subventionne les investissements des entreprises au travers d'avances remboursables ou de prêts plutôt que de subventions qui ont été largement distribuées par la gauche et qui ont créé des difficultés financières que connaît la région actuellement. Nous rappelons que les investissements des entreprises doivent donner lieu à un retour sur investissement et que l'obtention d'une subvention crée quelque part une distorsion de concurrence et en tout cas des effets d'aubaine qui sont regrettables. La majorité, les Républicains, dans le cadre du schéma régional de développement économique qui est en cours d'élaboration, a clairement indiqué qu'elle suivrait cette orientation et que désormais les avances remboursables et les prêts seraient largement privilégiés par rapport aux subventions. Nous en sommes très heureux et nous espérons que cette orientation sera suivie d'effet.